Atunci, patronul Spotify, Daniel Ek, a parat atunci după partea contare du projet de rachat d'Arsenal avec Thierry Henry, qui officie en tant que consultant au sein de Amazon, malgré une offre de 2 milliards d'euros, l'annonce soumise en mai dernier à la famille Crockett, le propriétaire des Gunners, qui a refusé de vendre. Il a déclaré, Thierry Henry, il a déclaré, pour pouvoir y arriver, il faut que quelqu'un réponde. De notre côté, ce n'est pas encore arrivé, mais nous, lui, Daniel et moi, nous sommes là pour rester. A-t-il expliqué après la victoire face à Tottenham? Nous verrons ce qui va se passer, mais pour le moment, nous savourons la victoire. Rappelons que Daniel qui était présent, il a déclaré, il n'y a pas de dialogue pour le moment et je sens que ça va être un long processus. Alors, je l'ai dit la dernière fois en mai que j'étais dans le coup. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas vraiment. Titi Henry est prêt à s'engager aux côtés de Denis Bergkamp, notamment en cas de rachat de Daniel Ek pour remettre ce club sur le toit de l'Europe. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ça serait bien que Thierry Henry et Denis Bergkamp, les deux légendes d'Arsenal, s'engagent dans le club. Le club d'Arsenal manque d'âme depuis qu'ils sont partis d'Albury. Qu'en pensez-vous? L'Emirates est mort, même si face à Tottenham dimanche, s'il y avait une belle ambiance, qu'en pensez-vous? Le surnom du stade est surnommé la bibliothèque. À tel point, c'est mort, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.